Monsieur Hubert Bertrand, maire, et le conseil municipal de Saint-Génis-Pouilly vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, et la fin de l'année, le début d'une nouvelle année, c'est toujours une période, une époque où on a envie de voir plutôt l'avenir que de voir le passé, mais on doit quand même faire un peu le bilan de l'année passée avec ses succès et avec ses difficultés, et puis de faire aussi une prospective sur l'année future. Alors l'année passée, tout n'a pas été évidemment très facile pour une bonne partie de nos concitoyens qui, effectivement, peuvent rencontrer des difficultés financières ou bien des difficultés même de santé, de cohabitation, des difficultés ordinaires de la vie courante. Eh bien, à celles et ceux qui ont rencontré ces difficultés, je voudrais leur dire tout notre soutien et évidemment toute notre sympathie. Je voudrais leur dire aussi qu'avec eux, on peut travailler à trouver des solutions, même lorsque cela paraît très difficile. Et puis, pour l'année à venir, eh bien, j'émets le vœu que nous ayons plus de succès, évidemment, dans les sujets qui sont d'actualité, plus de succès dans les sujets communaux, pour la réussite des dossiers communaux. Alors, je ne veux pas les épiloguer, je ne veux pas tous citer, mais actuellement, eh bien, nous avons bon espoir de réaliser une partie des objectifs que nous nous étions donnés, la fin des travaux au centre aquatique, par exemple, et puis peut-être le début des travaux de la maison solidaire, entre autres, et le travail, bien sûr, qui se continue sur les voiries et sur la mise aux normes, ou en tout cas avec des possibilités d'économie d'énergie pour les bâtiments publics. Sans aucun doute, beaucoup de travail, sans aucun doute de la réussite et aussi peut-être un petit peu de difficulté. Je voudrais simplement assurer celles et ceux qui sont soucieux et qui ont de la peine, eh bien, du soutien de la collectivité. Que chacun se sente faire partie de cette société où, n'importe comment, nous vivons ensemble et nous devons être solidaires. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et à nous rencontrer. Voilà le vœu que j'émets cette année. Ne restons pas tout seuls dans son coin, à avoir des difficultés. Venez et parlons-en et essayons de trouver ensemble des solutions. Voilà mon vœu pour l'année qui s'annonce et voilà mon vœu aussi pour vous personnellement, de bonne santé et de vie agréable ensemble. Merci et bonne année. Saint-Génis-Pouilly, cœur du pays de Gex.